Eh bien, salut les enfants, comment ça va? Ça fait déjà une semaine de passé. J'espère que vous allez bien. Le soleil est là, les baignades sont de retour. Aujourd'hui, on a un invité, on a déjà un nouvel invité pour nous, Monsieur Pascal. Monsieur Pascal, bonjour. Pascal tout court. JD, grand disque jockey qui fait danser les gens dans la France entière et qui est un établissement région parisienne où les amoureux du musette peuvent venir également. Et puis, mais qui accueille aussi beaucoup d'accordéonistes chaque semaine, quand c'est possible. En ce moment, c'est plus difficile, mais ça. Et puis, notre invité, enfin, celui surprise, qui nous fait la surprise, parce qu'il vient de temps en temps jouer chez Pascal en région, c'est mon ami Pierre Péribois. Bonjour, Salut, monsieur salut. Pierrot. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour T'as tout le toujours le monde. Bonjour même, Pierre. t'as toujours le même lustre qui est le même que moi. Oui. Ouais, Donc, c'est bon, ça changeait il pas. va falloir que je change de place, ça. C'est parce que, ouais, j'ai pas Alors, compris. Pascal, on va parler un peu parce que, bon, nous, d'habitude, c'est des. Mais toi, tu es musicien aussi, mais toi, l'avantage, c'est que tu as ouvert un établissement région parisienne et que vous faites danser. Je parle du musette, hein, je parle pas de toutes les autres animations que tu fais, on en parlera plus tard. Et ça se passe tous les mardis, je crois, tous les lundis, non? Tous les lundis pour l'instant, ça peut changer à la fin du confinement qu'on va reprendre les activités. On va peut-être passer sur d'autres créneaux journaliers, des jours différents. Ouais, je suis musicien dans l'âme, hein. J'ai joué du saxo pendant 15 ans. Bon, malheureusement, j'ai abandonné faute de temps. Danseur depuis que j'ai 17 ans, hein. C'est les femmes du dancing qui m'ont appris à danser. Donc ça commence à remonter. Et animateur, DJ depuis une trentaine d'années, donc spécialisé dans le rock and roll, c'est autre chose, et dans le musette. Le musette, le dancing, quoi, hein. Toutes ces danses qui m'ont vraiment fait vivre. J'ai passé des moments sympas et puis voilà. Et à Paris, c'est devenu un peu compliqué. Il y a des tas d'établissements qui ont fermé, malheureusement, hein, les Pas uns qu'à derrière les Paris, hein, autres. je te le dis tout de Mais suite, pas qu'à Paris, rassure-toi. probablement. Mais à Paris, je pense que ça s'est amplifié, vraiment amplifié. Et voilà, j'ai envie de faire revivre ça. Et puis, Voilà. toujours, donc, sur différents établissements, effectivement, en fonction des salles qu'on trouve. Là, avec Marie-France, que je salue, on gère la Méridienne, effectivement, pour l'instant, tous les lundis. On va peut-être passer à la fin du confinement sur des créneaux du jeudi et du dimanche pour contenter un peu tout le monde. Voilà un peu mon parcours. Bon, ben, en attendant, comme on va passer bien sûr quelques accordéonistes qui jouent chez toi régulièrement. C'est pour ça que Pierrot est là d'ailleurs. Et on va écouter Nicolas Demisieux et Loulou Torres, qui sont deux potes aussi, qui ont interprété un super passo qu'on aime bien Ah avec oui, JD parce qu'on le danse tous les bien. deux. Hein, pour vous dire, Pierrot est depuis quelques temps, on prépare les championnats du monde de danse avec JD. Mais on voudrait faire la danse acrobatique un peu, c'est pas facile. D'accord. Donc. Ouais, mais on a un problème, c'est pour lancer JD Et en puis, oui. l'air. Ouais, un petit peu plus. C'est pour le lancer, T'as raison, c'est je pèse facile. 130 kilos, les gars. Allez-y, Le allez-y. lancer, ça Le peut se faire, le lancer, mais c'est celui qui va le recevoir. Ouais, aussi. Aussi. Bon, en attendant, on Des écoute bandes Yaya d'enfoirés, Passo. ceux-là, tout Allez, vous dire. on Yaya Allez, Poué. allez, on y va. Allons-y. Thank you.
Voilà, Yaya Passo. Et ça vous fait marrer en plus de ça. C'est pas possible, écoute, ça. Ben non, JD, on s'imagine. Oui, avec, oui. Avec Pierrot, on a fait quand même énormément moi, c'est de nerveux, JD. Hein. Moi, c'est nerveux, c'est un verre nerveux. Voilà. Alors, et vous avez commencé quand, la Méridienne? Une petite année, puisque avant, j'étais dans une autre salle qui était la station danse à Vitry, une superbe salle, qui a été reprise pour d'autres activités. Et donc, on a trouvé cette salle, la Méridienne, ça fait à peu près 8 mois. Oui, 8 mois, avant que le confinement arrive. Voilà, on a fait ça, tourné ça 8 mois. C'est une très belle salle, hein. On va vous montrer les photos. Oui, c'est une belle salle avec un bel accueil. Voilà, il y a tous les ingrédients, quoi. Tous les ingrédients pour passer des bons moments. Et puis tous mes potes musiciens qui passent. Voilà, c'est devenu un rendez-vous. Voilà, un rendez-vous de musiciens, de bonne ambiance, de convivialité, de danseurs, de danseuses. Voilà, il y a tous les ingrédients. Vraiment. Alors écoutez, on va écouter un petit jeune qui évolue dans le métier depuis quelques temps. C'est moi. C'est pas la peine de rigoler, JD, c'est pas la peine d'être marré. J'ai rien dit. Hein, on va mettre une seconde catapulte. J'ai rien dit. Donc on va écouter une composition qui s'appelle Morito Accordéon. Morito. Ah bah ouais. Et pendant que vous écoutez Jacques Arnoux, eh bien vous allez pouvoir voir quelques photos de la salle La Méridienne, bien sûr, avec Pascal.
Voilà, ouais, c'était beau, non hein? C'était bien, vachement. Et, c'est... Et, c'est... Et entre nous, je pense que ça va faire un tabac. Oui. Bon, ça fait déjà 3 ans que c'est sorti, hein, mais j'ai confiance. Ouais. J'ai confiance. Il est tout allé. Bon. Écoutez-moi, alors la particularité de cet établissement, je dirais, c'est que tu accueilles les accordéonistes et que toi, tu assures la partie DJ, c'est-à-dire tout ce qui est plus variété, etc. Oui, alors c'est pas plus que variété, oui, effectivement, c'est un mix hein, entre le DJ que je suis, dont je fais office, l'organisateur, le DJ, et les musiciens, et on se complète en fait. Voilà, en fonction de ce que du répertoire de chacun. Moi, en fait, je complète le musicien. Le musicien à carte blanche, hein, bon, voilà, tous les gens qui passent, on connaît, hein, on connaît tous les répertoires, et les gens qui passent ont carte blanche. Et moi, je complète. C'est-à-dire que s'ils ne jouent pas trop de moderne, j'en fais. Mais il arrive aussi que les musiciens fassent plus de moderne que moi, et que moi, j'arrête plus sur le répertoire musée, accordéon. Voilà, c'est. Ah, tiens. Partage, ouais, c'est, ah, ouais, mais si c'est pas un accordéoniste, c'est sûr. Oui, mais enfin, ils peuvent même. Il y a certains accordéonistes qui jouent du plus moderne. Hein, et moi, vraiment, je complète. J'estime, si je pense qu'il n'y a pas de bassiste de boléro ou de tango ou de danse en ligne. Je ne suis pas un spécialiste des danses en ligne. Il en faut un peu. Oh. Si on commence là-dessus, on n'a pas fini avec Monsieur Jacques. Voilà, non, dis pas Monsieur Jacques. Même en tant que DJ, qu'on me demande des danses en ligne. Et malheureusement, tiens, ça aussi, je dois le dire, il y a beaucoup d'établissements. Je dirais pas lesquels, où c'est devenu bah, pour contenter une certaine clientèle, ah bah oui. on fait danse en ligne, au risque de perdre les danseurs, Pierrot adore ça. Surtout les tangos en ligne, Pierrot il adore ça. Ah, oui. C'est son truc. Ouais. Sans parler effectivement du danse en ligne. Hein, alors on va écouter si vous voulez bien un Normand. Qui vit mal le confinement, il faut reconnaître que lui, il le vit mal le confinement. Ah oui, oui, il nous a lancé des messages. En attendant, on va quand même écouter Franck Villain dans un medley avec quelques beaux morceaux. Oui, il y a Trio del Sol, ouais, il y a Soleil Famille et puis il y a Rueda de Bachata. Ah, je fais un petit coucou à Franck aussi, il est passé il n'y a pas longtemps à la Méridienne. Thank you.
c'est sûr. Toutes les plages de Saint-Domingue, enchaînant les figures. Et ça me rend dingue, Relade, Bachata, le ciel d'azur inspire la gaieté au fur et à mesure. Je me sens envoûté, Relade, Bachata. Alors la semaine dernière, on a fait une émission pour rendre un hommage à Monsieur Bruno Lorenzoni. Et on a eu, bien sûr, l'occasion d'avoir son fils, Abel, qui passe souvent chez toi aussi, je pense, non ? Enfin, ouais, souvent, je ne sais pas, peut-être pas plus que les autres. Bah, Pas plus souvent que les autres, parce que j'essaie de ne pas programmer chaque fois. J'essaie de faire une programmation large et de faire passer le plus de musiciens possible. Et trouver de nouveaux aussi musiciens incorporés pour ne pas se lasser les uns des autres. Mais Abel, bien évidemment, c'est un pote, on est vraiment très pote. Ouais. Alors, on va l'écouter, puis après on discutera un peu plus avec Pierrot et l'expérience qu'il a eue de la Méridienne. On écoute Abel Lorenzoni dans un morceau qui s'appelle Sway. When my rhythm and rhythm start to play, dance with me, make me sway. Like a lazy rusher on the shore, all me stare, saying we more. Like a flower running in a breeze, bear with me, stay with me. When we dance, you are the way with me. Stay with me, stay with me. Oh, the dance of the bay on the floor, dim the miles we see on you. Only you are the magic tonight, when we stand away. I can hear the sound of violence, I'm in twin, I'm in weird. Make me twin inside a swimming smooth, swimming smooth, swearing no. Over dancer and be on the floor, hear the miles we see on you. Only you want the magic tonight, when we stand away. I can hear the sound of your lips, long before make me feel. Now the trails of summer on me know, swimming smooth, swimming low. When my rhythm starts to play, dance with me, dance with me. Like the Lord, the usher on the floor, on me floor, swimming more. Hi. Flora bending in the breeze, bear with me, swear we wish. When we dance, you are the way with me. Stay with me, swear with me. Well, my rhythm is there to play. Oh, the rhythm made me sway. When we dance, it's time to play. Stay with me, that's there to play. Voilà, ça c'est fait. Pierrot, comment tu as connu la Méridienne ? Ah, c'est un peu… Je crois savoir. J'ai été contacté par Pascal et puis bon, c'était un problème de disponibilité. Puis je me suis quand même… Enfin, j'ai pu me dégager, enfin me rendre disponible. Et puis j'ai découvert cet endroit parce que je voudrais quand même dire, non pas par failloterie parce que c'est pas mon style, je voudrais quand même dire que l'endroit il est quand même plutôt sympa, je veux dire, parce que le décor il est bien, l'accueil chaleureux. Et si Pascal a raison tout à l'heure, il a dit que c'était un lieu de convivialité, mais c'est tout à fait ça. Là-bas on se sent bien quoi. Voilà, c'est, je dirais pas que c'est familial, je dirais convivialité, voilà.
même les danseurs, c'est bien. On fait, ils nous laissent en plus une grande latitude au niveau du répertoire, et ça, j'apprécie beaucoup, parce que, en fin de compte, ils gèrent vraiment bien l'affaire, et c'est un plaisir d'aller là-bas, c'est un plaisir. Et bon, puisqu'on parle toujours et qu'on dit toujours ce qu'on pense, en général, on l'a remarqué, enfin moi j'ai remarqué depuis de nombreuses années, mais Pierrot me l'avait déjà fait remarquer, en général, les patrons, où on est bien dans un établissement, c'est où le patron est musicien et il adore ça, et oui. Il n'essaie pas de t'apprendre ton métier, ou alors il connaît rien, et là ça s'aggrave. Oui, j'en connais qui voulait te faire un programme aussi. Tu comprends ce que je veux dire? Tu te rappelles, Pierrot? Enfin, c'est toi qui m'as appris mon métier, donc je ne veux pas non plus revenir là-dessus. Oui, parce que Pascal, il faut que tu saches une chose, Pascal, c'est que bien que je sois beaucoup plus vieux que mon ami Pierre Péribois, c'est grâce à lui que je suis rentré un peu dans le métier. Ah, d'accord. Bon, il m'a entrouvert la porte, j'ai mis le pied pour pas que la porte se referme, et après, il l'a tiré de l'autre côté pour la laisser ouverte. Donc, parce que quand même. J'ai un peu gêné. Donc, tu sais pas. Grave. C'est aussi ce qui est sympa, toutes les émulsions entre les musiciens, entre les. Alors, je sais qu'il y a toujours, toujours cette petite. Qu'est-ce que tu veux dire, entre les musiciens, les DJ qui n'apprécient pas les musiciens qui n'aiment pas les DJ parce que c'est pas des musiciens. Enfin, bon, bref. Moi, je pars d'un principe. Moi, j'aime tout le monde. Hein. Moi, j'adore recevoir des musiciens, des musicaux chez moi. Et je pars d'un principe. On fait tous quelque part le même métier avec des armes différentes. On fait danser les gens et on donne du bonheur aux gens. Voilà. Ouais, mais Pascal, moi, je rajouterais quand même un truc, c'est que c'est pas un problème d'aimer ou pas un DJ, c'est qu'il y a, comme dans les musiciens, il y a aussi les DJ qui sont attentionnés à leur clientèle, qui savent faire le business. Et ça s'invente pas, parce que le business, c'est aussi bien pour un DJ qu'un musicien. Ça s'apprend et surtout il faut être à l'écoute. Il faut être à l'écoute des gens. Si derrière une marche, il fait un pas sonable, il n'a rien compris. Il faut qu'il change. Mais voilà, mais exactement. Voilà. En plus, moi, je parle d'un principe, on n'est pas là pour faire notre show. On est là pour faire danser les gens. Voilà. Pascal, DJ Pascal ou tel artiste en concert. Non, non, on fait danser les gens. C'est ça. Mais rappelle-toi, c'est Map qui m'avait dit un jour, il m'avait dit, tu sais, ne pense pas que les gens viennent parce que c'est toi, tu es là parce qu'il y a des gens. Oui, c'est vrai. Ouais, bon, pour moi, avec toute ma modestie, je pense que les gens viennent aussi un peu pour moi. Mais bon, ça c'est un autre. C'est une exception. Bon. Je vais juste faire un petit aparté avant d'oublier. Et Pascal, et Pierrot, Pascal, il va dire, oh là là, mais c'est qui ce Gus? Non, j'adore, franchement. Mais j'adore ça. Bon. Il ne connaît pas. Bon, Pascal, pour la petite histoire, on se parle souvent avec Pierrot. Et j'ai dit que le jour où j'irai jouer chez toi, parce que moi, bon, je veux dire, je me déplace à Paris parce que bon, ça me fait plaisir. J'aimerais bien que mon ami Péribois soit avec moi. Ah, mais. Alors, c'est pas une question de budget, je t'arrête tout de suite de mon compère Pierrot. Moi, c'est entre toi et moi, mais je m'en fous. Mais j'aurais tellement de plaisir à rejouer avec Pierrot que bon, ça va quoi. Moi, j'adore en plus quand les artistes se rencontrent chez moi, ce qu'on appelait le bœuf, quoi. Mais ça, c'est extra. Et une chose qui me tient à cœur, et ça, c'est dans mes projets. C'est d'organiser un festival du Musette à Paris. Parce qu'à Paris, rendez-vous compte, il n'y a plus un seul festival de Musette. Non, il n'y en a plus. Le Musette est né là, et je parle de Musette, est né là à Paris, et il n'y a pas de festival de Musette. Il y en a partout en province. Bon, c'est peut-être plus facile à organiser, mais à Paris, une capitale de danse quand même, une capitale internationale de la danse, il n'y a pas un festival de Musette. Je trouve ça... Ce que je te demanderais, c'est quand Pierrot et Vienne, je voudrais qu'on respecte les distances. Fais chacun un coin. Si c'était possible. Tu me dis à quelle heure il arrive, à ce moment-là, j'arrive avant ou après. Mais bon. Je mettrai des petits marquages au sol. Ouais. On aura parlé tout à l'heure de ces consignes parce que ça va être très difficile pour les dancing, non? Non, moi je pense très franchement, là, il faut que ça s'arrête là. Parce que là, ça va être compliqué, il faudrait que les journalistes arrêtent d'entretenir ce climat d'insécurité, de contamination. Il faut arrêter. De toute façon, si on regarde bien la situation, il va falloir qu'on arrête tout ça parce que tout se casse la figure en ce moment. Donc,
Il faut reprendre. Il y a les dancing, il y a les musiciens, mais il y a aussi le théâtre, il y a tout ce qui touche au spectacle. Il faut que ça reparte. Il faut que ça reparte, nom de Dieu. On va pas. Qu'on porte des masques à la limite, ça c'est pas trop le problème. Mais qu'on donne aux gens l'autorisation de pouvoir se remettre à bosser. Sinon, on va crever. C'est pas possible. Ouais. Je reconnais qu'avec le masque, avec le nez que j'ai, c'est pas facile non plus. Alors, ouais, on va écouter. Et le mien, c'est pareil. Hein, je le dis. Alors, on va écouter une liste. Écoute-moi ce titre si c'est beau. Une nuit d'été sans toi. C'est une nouveauté que j'ai vue. C'est Nicolas et Manu Ducrot qui ont fait ça il n'y a pas longtemps. Ça date de 3 semaines à peu près. Ah. Ducrot, il s'est décarcassé là-dessus. Bravo. Et on ferait plus qu'au concept là. Allons-y. C'est la question, monsieur Pascal, monsieur Péribois la connaît. C'est là qu'on joue avec ton pognon, je voulais te le dire. Alors, puisque tu as fréquenté beaucoup d'établissements dans la région parisienne pour faire danser les gens, mais par contre, je vais te poser une question sur une culture, sur ta culture générale. Bon, alors. Et tu vas lui faire peur, là, En 1930, monsieur. Non, ça sonne, je reviens. Entre parenthèses, je vous donne un petit conseil de temps en temps. Allez sur Facebook, regardez les vidéos de Loulou Torres. Il en a encore sorti une hier. Ouais, ouais.
C'était quand même un grand moment. Si vous voulez vous marrer, au moins vous allez voir ça, vous rigolez deux minutes. Alors, oui, monsieur Pascal, en 1930, la date est importante. Il y avait une rue où il y avait, j'allais dire encore la réponse. Il y avait une rue à Paris, oui, région parisienne, qui s'appelait la rue de Lappe, dans laquelle il y avait un grand dancing qui s'appelait. Le Balajo. C'était pas la question. Ah mince, dommage. Donc, dommage, mais c'est pas la question. Oh, qu'est-ce qu'il est bon. Il est bon, ce mec, il est bon. Alors voilà. Donc dans cette rue, il y avait un certain nombre de dancing. Cette rue fait à peu près 150 mètres, Pierrot, c'est ça, non? Oui, c'est ça. Il y avait combien de dancing qui étaient ouverts tous les jours dans cette rue? Tu as droit à un chiffre. Ouais, mais il y a un delta. Ah non, il n'y a pas de delta. Il n'y a pas de delta. Non. Donc, rue de Lappe, combien il y avait de dancing, rue de Lappe? Il y avait combien de dancing en 1930? Je ne te parle pas en 1932. Oui, non, mais j'ai bien compris, parce que ça a changé. Entre 30 et 32, ça a changé. Même il y a les casques blancs qui sont arrivés, c'est pas pareil. Moi je la visualise cette rue, je la visualise et j'essaye de voir où il peut y avoir des dancing, et ben moi je dirais qu'il y en avait qu'un. Voilà, faut que tu retournes chez Afflelou parce que. Alors on ne l'a jamais fait celle-là, hein, on l'a jamais fait. Non, mais de toute façon, je vais me gourer, je vais dire 10, 15 et puis ça va être 11. Ah là, non, mais il y en avait 9. Il y en avait 9. 9 Tu te rends compte des dancing. Comme ça, quand on parle de dancing dans la région parisienne, dans une rue, il y avait 9 dancing. Après, je ne te parle pas des autres. Alors, j'ai deux questions subsidiaires. Vas-y, JD. Qui est né rue de Lappe? Les gars. C'est très connu. C'est un chanteur très connu. Ah bon? Un peu de votre génération, là. Peut-être pas celle de Pascal, mais en tout cas, Pierre Péribois et Jacques, oui. Alors. Ah bon, c'est un vieux, alors. Alors, c'est un vieux, oui. Le il y a même qu'il est décédé. Claude François. Non. Alors, il a fait des musiques de films, il a fait même des chansons avec un prénom, d'ailleurs. Voilà, il a fait plein de choses, lui. Avec un prénom? Oui. Bon, il y a là qu'on fait les prénoms Michel, Mabel. Alors, il a fait, Céline, par exemple, la musique de film, il a fait Les Vieux de la Vieille, qu'on a vu récemment aussi à la télévision. Il a fait également les films de Jacques Tati. Voilà. Oh là là. Ouais. Eh bien, écoute, pendant que tu poses la question, donne pas la réponse, je vais dire aux auditeurs de RCB, vous téléphonez au 04 94 06 20 20, vous avez 3 minutes pour donner la réponse, et comme cadeau, vous aurez rien. Voilà. Donc, on vous enverra un CD, je sais pas. Donc, vous avez 3 minutes pendant le prochain morceau qu'on va écouter de Monsieur Pierre Péribois, qui s'appelle Madame l'Auvergne, que tout le monde réclame. Mais oui. Merci, c'est gentil. On va écouter Monsieur Pierre Péribois dans Madame l'Auvergne, et pendant ce temps-là, vous téléphonez au 04 94 06 20 20, vous donnez la réponse, quel est le chanteur qui est né rue de Lappe. C'est parti, voilà. Mon JD, c'est parti. C'est parti.
Voilà, j'espère que vous avez trouvé la bonne réponse. 04 94 06 20 20. Maintenant, vous ne pouvez plus téléphoner, c'est terminé. Et la réponse était monsieur ben, Francis Lemarque. Francis voilà. Lemarque. Qui avait chanté. Francis Lemarque, Marjolaine, par exemple. Marjolaine, à Paris. À Paris aussi. À Paris également, à Paris. Hein, ça, voilà. C'est un mécanisme. Il y a la fameuse rue où il y avait en 1930 neuf dancing. Oui. Ah bah voilà, tu vois, tu te rappelles, ouais, Pascal, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Donc, tes projets, donc dès que le truc arrête, donc le projet, ça serait de rouvrir, au mieux, aujourd'hui, c'est tous les mardis. On peut donner les coordonnées, JD va vous faire apparaître les coordonnées. Les lundis, excusez-moi. Ouais. Vous avez les coordonnées qui vont s'afficher ou qui s'affichent régulièrement sur la vidéo de la Méridienne avec les numéros de réservation. Absolument. Et, ça ouvre à quelle heure? Et ça ouvre à quelle heure? Du 14h-19h. 14h-19h. Ouais. Avec une pause goûter en milieu d'après-midi, qui est assez sympa. Enfin, c'est pareil, ça m'a plu au tout début. On arrête la musique et on passe dans la salle d'à côté. C'est la Méridienne, c'est vraiment très grand. Et puis, il y a plusieurs salles qui sont attenantes. Et là, on fait un goûter. C'est-à-dire qu'on arrête la musique, on met une petite musique de fond. Et tout le monde passe dans la salle d'à côté. Il y a un buffet qui est passé. Un buffet, attends. Et les musiciens sont invités au buffet? Bien sûr, ils cassent la coupe. Ah, parce qu'il y en a qui reviennent après quand tu reprends. Il y en a qui reviennent. Et ce qui est assez marrant, c'est un prix parce que je me dis, j'arrête carrément la musique et les gens papotent entre eux. Quoi. Alors, ils papotent de tout et de rien. Et puis, alors, ça dure allez, 5 minutes, hein, 5-10 minutes et on repart danser dans la pièce de la salle de danse après. Et c'est vraiment. Ouais, c'est assez sympa. C'est marrant parce que dans les trucs que je vois sur Facebook, j'ai des amis qui, je savais pas qu'ils allaient danser, comme Fabienne, tout ça, qui vont danser régulièrement chez toi. C'est assez drôle. Ouais. Bah, c'est vrai. Bon, j'ai 57 ans, donc je suis le petit jeune du milieu de la danse, hein, des danseurs. Mais en fait, j'ai fait mes armes, j'avais 17 ans, donc j'ai retrouvé, quand j'ai rouvert ces salles, là, j'ai retrouvé des danseuses et des danseurs que je fréquentais dans les dancings quand j'étais gamin. C'est assez marrant. C'est fabuleux. Bon, on va écouter un petit medley puisqu'on parlait des danses en ligne. Au moins, il y en a une qu'on a tous joué parce que même c'était notre époque. Je sais que Pierrot le dansait merveilleusement bien, ça. J'ai vu au Canada. Il a fait une démonstration de. Je veux dire que les cow-boys, ils étaient étonnés. On va écouter un medley de Madison, c'est ça mon petit JD? Oui, c'est un medley en fait de Franck Villain qui, d'après son dernier album Sous le ciel de Normandie, nous a fait Off Madison. Après, il y aura Normandie et Champagne. Et on terminera par un Bayon avec Casa Bayon.
faut choisir entre pomme ou le raisin du vignoble. Normandie ou bien Champagne, attention à la castagne. Moi j'aime le cidre et toi tu aimes le champagne. Alors à table les copains, sortons des verres et du pain. À la campagne il y a du camembert et en champagne du raisin rouge. T'as vu? Très bien. C'était bien. La musique n'était pas trop forte, ça vous a été? Parce que des fois, on met la musique un peu forte. C'était bien, puis moi, je ne savais pas que le Madison, c'était normand. En plus. Si, c'est vrai. Par contre, quand vous revoyez, si vous revoyez rapidement Franck Villain, vous lui dites quand même qu'on lui fait beaucoup de publicité, ça serait quand même bien qu'il s'en souvienne et qu'il nous emmène, qu'il nous ramène un peu de ce qu'il pourrait nous ramener. Du cidre. Du cidre. Ouais, ou du beurre. Ou une petite alcool léger. Oui, hein, jus de pomme. Jus de pomme ou de poire. Voilà, du jus de pomme. Et d'ailleurs, sur son site, notre émission Accordéon Passion a été vue déjà avec plus de 160 personnes déjà. Pas mal. 160 d'ici vues. D'ici qu'on passe sur LCI, il n'y a pas loin. Alors, il n'y a pas loin. Allô Arlette. Bonjour Arlette. Est-ce que tu as un message particulier à faire passer pour la reprise, Pascal? Alors déjà, je ne sais pas si vous savez, depuis le début du confinement, sur ma page Facebook, Rétro Dancing Connection, je fais un live 3 jours par semaine. Oui, absolument. On vous montrera l'affiche d'ailleurs. Ouais, le mercredi, le dimanche et puis le vendredi, je crois. Mercredi, vendredi, dimanche. Voilà, c'était pour que pas casser le lien, parce que déjà, ça m'imposait, moi, ça me manque, hein, moi, les danseurs, les danseuses, les pistes de danse, mais tout ce petit monde, les musiciens me manquent, hein, tout ce petit monde me manque. Et voilà, c'était pour conserver le lien. Un message à faire passer, merci à patience, qu'on se retrouve quand ça rouvrira. On se retrouvera forcément avec tous mes potes musicaux qui seront là aussi et faire un spécial. Et merci aussi à Marie-France, surtout, qui organise tout ça de main de maîtresse avec moi et à tout le staff. Hein, Il y a combien de personnes qui travaillent quand vous faites un… Il y a Marie-France et moi, on est les deux co-organisateurs, hein, c'est sûr. Ouais. Et derrière, il y a 4-5 personnes qui sont avec nous, les boissons, l'entrée, tout ça. Voilà, il y a 4-5 personnes. Pascal, j'ai une question à te poser. J'ai vu que tu avais un petit surnom. D'où ça vient ce surnom-là? Pascal Pouce. Parce que j'étais vachement étonné, je ne savais pas que tu avais un surnom comme ça. Alors, allez, c'est bon. Là, je pourrais répondre à la question. Vas-y. Jacques, tu étais au courant de son surnom, j'espère. Non, pas du tout, non. Ah bon, c'est marqué DJ Pascal Pouce. Pouce 1. La réponse va te rendre jaloux. De quoi? Parce que c'est quand j'étais jeune DJ, mon premier poste DJ, j'avais 25 ans. C'était à Saint-Germain-des-Prés, un club de jazz qui s'appelait le Club Z, rue des Anglais, à Saint-Germain-des-Prés. C'était mon premier job de DJ. Et la serveuse avec qui on avait sympathisé, je suis resté 8 ans comme DJ. Et la serveuse, qui était du Sud, elle vient, me passe la main dans les cheveux, elle me dit « Oh putain, de cette coudou, on dirait un poussin. » Ah. Et c'est resté comme ça, Poussin. Tout le monde m'a appelé Poussin. Alors après, tout le monde connaissait mon nom de famille, Poussin. Donc c'est pour ça que j'ai orthographié POUS'1. Voilà. Ah, bien. Bon, allez, on écoute en attendant un beau classique que j'adore, Le Bal de la Marine. Composition de Le Bal de la Marine de François de Gueldt. François de Gueldt.
Alors là, vous allez voir le bal de la marine, c'est une nouvelle vidéo aussi que a fait notre ami Gilou. Voilà. Ah oui Gilou. Et pas tout seul, Gilou. Il l'a fait avec. Il l'a fait également avec Nicolas Demézieux. D'accord. On les retrouve tous les deux pour deux petites minutes pour le bal de la marine. Voilà. On va encore pleurer. Hein. Nicolas, il est pas on va encore pleurer. On va encore pleurer, oui. Demézieux pour pleurer. Oui. Le bal de la marine avec Nicolas Demézieux. En souvenir de Coralie Husson qui a joué ce morceau avec moi quand elle avait 15 ans. Maintenant elle est vieille, elle est amoureuse, enfin c'est la vie. Hein. Le bal de la marine, magnifique. Mon petit Pierrot, pendant que tu es là, les activités vont bientôt recommencer. Tu commences à avoir des contacts. Bah écoutez, moi je vais être franc parce que je dis toujours la vérité. J'ai encore eu plein d'annulations cette semaine. Je pensais que c'était des trucs qui pourraient se faire. Et résultat, annulation sur annulation. Donc je reprends, j'ai des galas au mois de juillet, au mois d'août, en espérant que ce ne soit pas encore une fois annulé. Mais c'est dommage. Par contre, puisque vous êtes des bons nageurs, puisque vous parlez de la marine et tout, je sais que vous êtes aussi des. Pierrot est un excellent pêcheur. Oui, j'adore. Pascal, il sait nager. Je suis du signe du poisson. Je coule. Ouais, on flotte, voilà. Ouais. Et on va écouter. Là, je crois que c'est chanté. Ah, mais tu te souviens avec Loulou et l'orchestre de Abel Lorenzoni, La rivière de notre enfance. C'est magnifique ce morceau. Allons-y. Je me souviens d'un âme, je me souviens du vent, de ces rumeurs de vin. Au bout de l'océan, je me souviens d'une ville, je me souviens d'une voix, de ces Noëls qui brillent dans la neige et le froid. Je me souviens d'un rêve, je me souviens d'un roi, d'un été qui s'achève, d'une maison de bois. Je me souviens du ciel, je me souviens de l'eau, d'une robe en dentelle déchirée dans le dos. Ce n'est pas du sang qui coule dans nos veines, c'est la rivière de notre enfance. Ce n'est pas sa mort qui me fait de la peine, c'est notre plus grand mère. Thank you.
souvenir de Rome, du soleil qui fait l'ombre, du chagrin qui fait l'homme. Ce n'est pas du sang qui coule dans nos veines, c'est la rivière de notre enfance. Ce n'est pas sa mort. Voilà, bah écoutez mes enfants, c'est court, mais c'est bon quand même. Pour le programme des prochaines émissions, notre prochain invité sera Corinne Rousselet. Grâce encore à Monsieur Péribois qui nous a remis en contact. Ah super. Et c'est un grand plaisir de la recevoir parce qu'on n'entend pas beaucoup, elle ne fait pas de bruit, elle fait, mais par contre, quel plaisir de l'entendre jouer. Et puis moi, je lui dois tout le début de ma carrière dans les galas internationaux. Grâce à elle, qui n'avait pas pu venir, je l'avais remplacé grâce à mon ami Pierre Péribois. On ne va pas recommencer l'histoire, mais ça m'empêche de dormir quand même tous les soirs. Bon. Pascal, il te racontera Pierrot quand il te verra. Parce que c'est long, Pascal, c'est long, mais alors c'est bon. C'était la vérité. À l'époque, elle habitait à Argenteuil, et c'est la vérité, elle habitait à côté de chez moi. Et j'avais... Non, ce n'est pas des bêtises, quand même. Non, c'est vrai. Tu te rends compte, la France, à côté, un peu plus, a loupé ça, la France. Bon, c'est comme ça. Mon petit JD, oui. Donc la prochaine, c'est Madame Corinne Rousselet. Je vous rappelle que pour écouter ces émissions, vous allez sur YouTube, vous tapez Jacques Arnoux, Accordéon Passion, et là, vous avez toutes les émissions en vidéo. Alors là, en vidéo, vous avez en version large, hein, donc c'est des émissions qui durent à peu près 1h15. Donc, sinon, vous avez la version light, on va dire 57 minutes, 58 minutes, sur RCB Radio, tous les mercredis entre 10h et 11h. Oui. Voilà. En tout cas, bravo JD pour la réalisation parce que franchement, j'ai regardé et ça tient la route. Quoi. C'est vraiment bien. Ouais, c'est super, merci. C'est quand même moi qui donne les directives. Ah oui, toi, patron, sinon ça capte. Non, mais c'est pour lui rendre hommage parce que je le connais, mon JD, ça fait 30 ans qu'on se connaît. Je reconnais qu'il ne dort pas beaucoup hein, parce qu'il t'appelle le soir très tard pour te demander des trucs. Il y a un moment, il fait vraiment ça. Il le fait pour Isabelle Durand aussi. Il le fait parce qu'il adore ça. Et mon JD, t'as fait pas, tu seras bientôt récompensé. Tu auras ta grenadine à l'œil. Il n'y a vraiment aucun problème. Pascal, je te rappelle une chose. C'est la première fois que vous avez la gentillesse de me recevoir. Il y en aura plus d'autres, j'en sais rien. Mais en tout cas, bravo. Parce que, on se sent à l'aise et presque chez nous. Oh bah écoute, c'est le but de l'émission. Et là, c'est entre copains. C'est des choses différentes. C'est encore mieux que la radio. Si on est entre copains et on peut se lâcher un petit peu. Par contre, écoute-moi. Le jour où j'ai la chance de venir jouer chez toi avec mon ami Pierre Ibois, s'il y a des mecs qui n'ont pas envie de rigoler, il ne faut pas qu'ils viennent. Oui, ça c'est vrai. Là, on passe un mauvais moment. Ça va être très long. Surtout quand Jacques va vous faire la Xardas démontée, ça va vous faire quelque chose. Ah, je le fais plus, je l'ai retiré du répertoire. Mais si t'es avec moi, je peux peut-être le refaire. Je vais la retravailler. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire? Tu connaissais pas ça, Pascal, la Xardas démontée? Non, je me suis lancé dans le classique maintenant plutôt. Alors, je pense que j'ai loupé quelque chose là. Pascal, je te remercie d'avoir participé à cette émission. Attends, on a le temps d'écouter encore un morceau quand même. Hein. Je finis. Je voudrais rendre un petit coucou, je fais un petit coucou à celle qui m'a permis de te connaître aussi. Je veux parler de Régine. Ah, bien sûr. C'est grâce à elle que j'ai pu me permettre de t'appeler. Pierrot aussi, j'espère que nous, c'est toujours un plaisir de pouvoir être ensemble. Ouais, moi aussi, ouais, tout à fait. Et puis, mon petit, là, on va te demander, c'est ça, mon petit… On va d'abord t'écouter, mon Jacques, quand même. Pourquoi faire On a un petit cocktail qui nous attend, justement. Ça fait partie du repas pédagogique.
On va aller à Rio se prendre un petit cocktail, n'est-ce pas? Ah, cocktail à Rio, oui. Ben oui, oui, ben oui, oui, oui. Allons-y. Oui. Écoutez, allons-y. C'est ce que ça, c'est... Là, c'est Jacques encore. C'est Jacques Arnoux, ça. C'est Jacques Arnoux. Allez, oui, 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 oui. On va en profiter pour regarder quelques photos de la Méridienne. Ça va nous faire du bien. Voilà. Ouais, allez, vas-y. Voilà. Mon Pierrot qui est en larmes. Bah parce que je me dis qu'aller à Rio pour boire un coup, ça fait loin, on aurait pu faire le plus près, quoi. Mais bon, c'est pas grave. Bah, il a décidé comme ça. Ah ouais, non, mais cocktail à Rio, ça sonne bien quand même. Ouais, cocktail Rio, c'est sympa. Non, ouais, mais c'est une composition avec monsieur Jérôme Richard. Moi, j'ai écrit le titre. Moi, j'ai écrit le titre. Ah, non. Mais même pas complètement, je ne sais pas. Et Jérôme, il a payé les billets d'avion, non? C'est ça. Bon, voilà, ça c'est bon. Qu'est-ce qu'on en est? Ben, écoute. Bon, on va dire au revoir parce qu'on va terminer par le choix de Pascal qui nous a préparé un. Attention, c'est un choix. Bon petit morceau. Un choix d'autres. Hein. Et puis bon, dernier petit mot, si vous permettez. Moi, j'attends effectivement la date de reprise sûre en fonction de ce qu'on va nous annoncer
pour relancer toute la programmation de tous mes amis artistes et musiciens à la Méridienne. Et sur d'autres sites aussi, parce que je pense qu'on va ouvrir aussi un autre site. Bon, enfin, c'est pas encore fait. Mais en tout cas, j'attends la reprise, être sûr. Avant, comme tu disais, Pierrot, pas programmer et défaire et annuler, c'est toujours embêtant. Oui, oui. Pour tout le monde. Non, mais c'est sûr, c'est sûr. Il faut être sûr. Pascal, dès que tu auras la première date, fais-nous le connaître, comme ça on fera les diffusions sur les émissions. On mettra un petit merci panneau. À vous. Alors, donc, mon choix musical, Pascal Amar, mais il y en a tant d'autres. C'est vrai que Pascal, j'ai fait pas Pascal Amar, il est très, très bien. Ouais. Et puis, il y a des nouvelles petites choses qui sont étonnantes aussi. J'ai, comme Nicolas, Abel, comme tout le monde. Là, ça a peut-être été productif, finalement, pour les répertoires, cette petite période de confinement. Ouais, ok, donc tu as choisi quoi alors? Une belle valse de Pascal Amar. Ça s'appelle la valse des Faubourgs. Des Faubourgs, oui. Voilà, et puis après on se quitte. Merci Pierrot d'avoir passé un bon moment avec nous. Salut merci mon Jacques. Gilles. Merci Gilles. Salut, merci salut, Pascal. Mon Jacques. Et à bientôt. Merci, merci. Et Pascal, salut, on s'appelle au téléphone. À bientôt Pascal. Ciao. Un bisou. Salut. Salut, salut, ciao. Salut. C'est à Paris, on ne sait où, qu'elle a grandi doucement. Cette petite valse, de rien du tout, mais pleine de bons sentiments. Elle a conquis toute la terre, avec ses joies, ses misères. On t'en fera, près nous traîner, toute sa musique on chantait. Sorcelle, le premier refrain, la valse des faubourgs. Elle te promène du soir au petit matin, de Bastille à Beaubourg. C'est pas une valse de Vienne, elle habite près de la Seine. Elle nous raconte tout Paris en chanson, dans le souffle de son accordéon. Avec Renault ou bien Ferret, elle fuit les mondanités. Avec Lemar ou Aznavour, elle murmure des mots d'amour. C'est un parfum de la France, un souvenir de l'enfance. Elle fait partie de notre vie, que l'on pleure ou que l'on rit. Et le premier refrain, la valse des faubourgs. Elle te promène du soir au petit matin, de Bastille à Beaubourg. C'est pas une valse de Vienne, elle habite près de la Seine. Elle nous raconte Paris en chanson, dans le souffle de son accordéon.